Gabriel, à titre de capitaine, j'aimerais beaucoup que tu nous fasses un commentaire sur vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu, les explications que vous avez reçues. Bon, en fait, c'est une très grosse déception pour nous autres parce qu'on s'est préparé toute l'année pour aller à Dodge. Puis on s'était fait promettre d'y aller. Parce qu'il y a du monde en haut qui ont mal fait leur job un peu. Fait que dans le fond, ça nous a carrément coupé là, sous le pied, là, ça nous a empêché d'y aller, ça nous a vraiment déçus. On s'était préparé, puis. Mais est-ce que les explications que vous avez entendues vous conviennent? Ben, on s'est fait dire que c'était en raison des règles, mais au nombre de fois qu'il y a des équipes qui ont passé par-dessus des règles pour participer à des tournois, surtout qu'on va aller à la place à personne, il n'y a personne de Côte-Nord, Gaspésie, puis Bas-Saint-Laurent qui y allait, on n'aurait pas valé de place. Vous maintenez votre volonté de participer ou on a jusqu'à quelle date là? La date, je la sais pas, mais c'est sûr que notre volonté est encore à 100% là. Nous autres, c'est notre dernière année qu'on peut y aller, puis c'est notre but. Vous espérez encore? Ouais. Oui. Philippe, vous voulez dire quelque chose? Ben, c'est les règles ont pas été respectées, mais pourquoi c'est à nous les jeunes de venir jouer? Quand les règles, dans le fond, on dit que l'exemple passe par les adultes, puis c'est les adultes qui n'ont pas respecté les règles. Surtout quand on remet à faute à hockey Rimouski, que c'est en grande majorité des bénévoles qui s'impliquent, ils font ça par amour du hockey. Il y a des salariés qui s'empressent de dire que c'est la faute des autres, mais je pense qu'on aurait bien sommeil dans le miroir avant de. Vous aimeriez ça que tout le monde se parle et essaye de trouver un arrangement? Parce que je vois pas c'est quoi le problème d'envoyer une équipe dans le tournoi de hockey, mais il me semble que c'est ça le but de jouer en fait. J'aimerais ça rajouter que c'est ça, on est 17 gars qui est pénalisé à cause de des décisions comme ça. Si on met à l'attraction de toutes les règles, je pense qu'on devrait être capable de les envoyer à Coupe d'Or, surtout qu'on est 15 gars qui vont finir leur hockey mineur. 16 gars qui vont finir leur hockey mineur, puis ça serait vraiment le fun de participer au tournoi le plus important de notre vie. Merci.